Amen. Amen. J'aimerais te parler des signes. Dis avec moi les signes. Les signes. La Bible parle des miracles, la Bible parle des prodiges et la Bible parle des signes. Amen. Il y a les miracles, les prodiges et les signes. Il faut savoir que quand Dieu fait quelque chose pour toi, ce n'est jamais petit. Amen. Amen. Exemple, je prends l'exemple du témoignage de Jade, où elle ne sait pas comment ça se fait qu'elle a faufilé, elle a fait un S entre les voitures, le camion et tout ça. Cela est un signe que l'ange de l'Éternel est avec elle. Émilie qui a témoigné ici, cela est un signe que l'ange de l'Éternel est avec elle. Maman Kadi qui a témoigné ici, elle ne savait pas comment arriver à l'église, mais le Seigneur a fait un miracle. En fait, il n'y a pas de petit témoignage. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il fait des fois des miracles, des fois il passe par des signes. Quand tu vois que par un moyen que tu ne savais pas, tu te retrouves à l'église, c'est un signe que Dieu est avec toi. Et en fait, Dieu nous donne des signes tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux avoir un problème qui dérange ta vie, qui dérange ta maison. Depuis des années, ce problème est là, tu pries. Mais un jour, tu as failli tomber, par exemple, et qu'il ne t'est rien arrivé. Tu es tombé, mais tu ne t'es pas cassé le pied, rien du tout. C'est un signe que Dieu est avec toi. Amen. Quand Dieu donne un signe dans la vie d'une personne, ça veut dire que celui qui a fait pour toi, qui t'a montré ce signe, c'est lui aussi qui va régler ton problème. Alléluia. En fait, les signes viennent dans nos vies pour renforcer notre foi. Quand ma fille Merveille a témoigné ici, elle se disait, j'ai fait l'accident, qu'est-ce que je vais faire? Mais ces messieurs ont même réparé son rétroviseur. Et si Merveille a un autre problème qui dérange sa vie, en fait, le fait d'avoir eu ce signe doit renforcer sa foi. Pour dire que celui qui a commencé cette belle œuvre en moi va la terminer. Même si je suis encore en train de souffrir, mais je sais que Dieu est avec moi. C'est un signe. Amen. Donc il n'y a pas de petit témoignage. Ce sont des signes. Des signes à un moment que je suis avec toi. Alléluia. Si tu as un problème de stérilité et que Dieu fait quelque chose pour toi dans un autre domaine, sois sûr que ce Dieu-là te donnera un enfant. Parce qu'il est fidèle. Il est avec toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. Ce sont des signes. Et souvent, les enfants de Dieu négligent les signes. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure. Et souvent, quand c'est des signes, c'est là où on dit petit témoignage. Le petit témoignage n'existe pas. C'est un signe qui vient pour renforcer ta foi, pour bâtir ta foi, pour ancrer ta foi, pour te faire asseoir encore en Christ. Si je fais un rêve, que je suis poursuivi, et qu'à un moment, je ne sais pas quelle main qui est venue de nulle part, qui vient me secourir, c'est un signe que Dieu est avec moi. Et que rien de ce que les ténèbres vont faire ne va m'atteindre plus jamais. C'est pour cela que quand tu as les signes, tu vas te pousser à louer, à chanter, à sauter, à prier. Amen. C'est très important. Les signes. Et vous allez voir que la tour de prière se meurt. On loue beaucoup. Amen. On loue et on danse. David dit quelque chose. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quand je crie, quand je lance, je pousse un cri. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes adversaires. La louange te délivre de tes adversaires. Amen. Ne négligeons pas la force et la puissance de la louange. Quand tu es en train de danser comme ça. Il y a un principe que le pasteur a donné tout à l'heure qui est très important. Oui, il a dit, il y a des gens qui sont comme ça. Bien aimé, quand tu loues, les anges sont en activité ici. Alors quand je suis en train de bouger comme ça, je prends déjà une bénédiction. Je prends encore une autre. Quand je dis, oh, que ton feu Seigneur, je prends encore une onction sur mon visage. Quand tu es en train de bouger, en fait, dans le monde spirituel, les gestes, les paroles, les faits, tout compte. Les gestes que je fais, même ma danse va compter. Pour que je puisse avoir ma bénédiction. Ne négligez jamais cela. Les sorciers, quand ils viennent envoûter une personne dans la nuit, ils dansent. Il y a des sorciers, quand ils viennent dans la maison d'une personne, ils viennent dans sa chambre, ils ne disent rien, ils vont seulement commencer à danser. Leur danse donne des envoûtements.
Alors toi, quand tu danses devant Dieu, ta danse te donne des bénédictions, des délivrances, des guérisons dans le nom de Jésus. Quand tu danses devant Dieu, ta danse est en train de récupérer ce que le diable t'avait volé. Dans le monde spirituel, la danse a une force. C'est pour cela que vous voyez quand il y a des vaudous qui font des cérémonies, ils font quoi? Ils dansent. Avec des masques, ils dansent. Dans les carnavals, il y a quoi? La danse. Mais cette danse donne des envoûtements. Mais quand tu danses devant Dieu, tu reçois des bénédictions. Ne négligez pas ça. Je veux que la TPS, bien-aimée, soit une famille qui est éveillée spirituellement. Un chrétien doit connaître le monde spirituel. J'ai toujours dit, tu ne peux pas vaincre ce que tu ignores. Ce que tu ignores te contrôle. Ce que tu connais est sous tes pieds. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.